Ah bah c'est une exposition qui présente pour la première fois son travail en France, où on peut retracer toute sa carrière, absolument jusqu'à aujourd'hui. Il a 72 ans, mais il est toujours très très actif. Petit à petit, il a trouvé sa voie en se disant que ce qui l'intéressait, c'est de travailler sur la notion de frontière, la notion d'espace interurbain. Et donc pour ça, il s'est équipé d'une chambre en couleur, et il a travaillé en couleur jusqu'à maintenant, ce qu'il continue toujours aujourd'hui. Il utilise une expression que je trouve très jolie par rapport à la photographie en disant que c'est une décision momentanée. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui le caractérise très bien. Bah, c'est une photographie qui est simple, qui toujours dans ces zones un petit peu périurbaines, mais la silhouette de cet enfant avec un t-shirt rose la rend évidemment beaucoup plus humaine. Et c'est un moment inattendu, puisqu'évidemment l'enfant n'a pas posé. Mais voilà, je pense que c'est une photographie dont on se souvient.